Quand on a commencé à embaucher des libérés conditionnels, on savait qu'il y aurait des réussites et des échecs. C'était un peu la loterie. Mais quand on tombe sur des gens qui bossent dur et qui aiment les chiens autant que nous, c'est dingue de voir à quelle vitesse leur vie change. C'est un autre monde ici, mec. Il y a un an environ, Earl nous a recommandé son ami Sui pour qu'on l'engage. Pourquoi t'as été arrêté? Vente de drogue. Il ne s'était jamais occupé de chiens, donc on ne savait pas comment ça se passerait. Tu vas me faire avoir des ennuis. Mais il s'est avéré être un de ces gars que les chiens adorent. Je fais des bisous à Sui. Sui se débrouille très bien avec les tâches quotidiennes du refuge. Mais on ne sait jamais comment quelqu'un va gérer une situation stressante jusqu'à ce qu'il y soit confronté. Sui, prends une petite caisse. Pas trop grande. Tia a reçu un appel à propos d'un chien qui a été vu dans une carrière. Je me suis dit que j'aurais besoin d'aide pour le récupérer. Alors j'ai pris Sui avec moi. Faut se dépêcher. Le gars qui a appelé a dit que le chien était dans un sale état. Il y a des camions et des gros engins qui circulent dans cette carrière. Alors il faut qu'on le récupère le plus vite possible. J'espère qu'il viendra avec nous et essaye de pas te faire mordre. C'est jamais arrivé encore. Je m'occupe bien des chiens. Et je fais aussi les visites du refuge. Mais j'ai jamais fait de sauvetage. C'est l'occasion pour moi de montrer ce que je vaux. Tu le vois? Le voilà. Voir ce chien tout seul, l'air complètement perdu, je sais pas comment il a atterri là. C'était vraiment triste. T'as des friandises? Donne-lui un. Je me souviens de mon premier sauvetage. Tia m'a guidé tout du long. Aujourd'hui, c'est génial que je puisse aider Sui de la même façon. Approche-toi avec les friandises. Penche-toi quand t'es plus près. Je crois pas qu'il va venir vers toi. Coucou. Le chien a surtout l'air d'avoir peur. Sur un terrain aussi grand, s'il prend peur et s'enfuit, ce sera très difficile de le rattraper. Sui doit trouver la bonne voie pour lui parler et s'approcher lentement. Lance-lui un petit morceau. C'est ça. Il a l'air faible. Essaie d'approcher. On savait pas si c'était un mâle ou une femelle. Mais quand je me suis approché, je l'ai trouvé très craintif. Il avait peur, mais il était très intéressé par les friandises parce qu'il avait l'air d'avoir faim. Oui, regarde, il tremble. Sui a fait du bon boulot. Il a réussi à calmer le chien et à l'intéresser aux friandises. Tiens, petit père. Ça va? Oh. Oui, on tient. On tient. Quand je l'ai pris dans mes bras, il a vu que j'étais sympa. Il s'est dit, toi, t'es gentil. Merci d'être venu me chercher. On va s'occuper de toi, mon pote. Dès que je l'ai posé sur moi, il a commencé à se détendre. Il s'est étalé. Tu crois qu'ils savent qu'on vient les sauver? Oui. Parce qu'ils deviennent super calmes dès qu'on les prend en charge. Je pense que leur instinct est plus développé que le nôtre. Oui. Je me rappelle mon premier sauvetage. J'avais l'impression d'être un super-héros. Alors voir Sui avec le chien, ça m'a fait sourire parce que je savais qu'il ressentait la même chose. Il s'est débrouillé comme un champion.